Maman. Il n'est pas question que je garde ce manteau de fourrure. Oh, voilà qui est parfait. Maman. Ah, oh, je sais. Je ne te comprends pas, mais je sais. Je n'aurai de vison que quand Jean-Pierre aura les moyens de m'en offrir un, tu entends? Et pas avant. Alors, sois tout dès maintenant. Mmh. Ah oui. Eh bien, garde-le. Sans complexe. Maman, reprends ce manteau tout de suite. Et Jean-Pierre, voilà. Oh, ce qu'il est beau. Oh, c'est une vraie folie, tu n'aurais pas dû. Oh, mais je suis bien contente que tu l'aies faite. Puisque j'en ai les moyens. Depuis que tu as décroché l'affaire Waterhouse. Ah, ouais. En tout cas, tu le méritais. Rudy. Oh, mon chéri, tu sais ce qu'on dit dans ce cas-là? Ce qui compte, c'est moins ce que l'on offre que la... Oh, oui, me plaît, sois tranquille. Tu aurais pu t'offrir le plus beau manteau de la Terre d'un simple geste. Je sais que ce soit toi qui me l'ai offert. En somme, j'ai eu tort de me faire du mauvais sens au sujet de ce contrat, puisque tu étais si sûre que j'arriverais à le décrocher. J'en avais la certitude absolue parce que je te connais. Et si jamais j'avais échoué, que serait-il arrivé? Mais c'est le contraire, et je suis certaine que tu iras de plus en plus vers le succès. Et de la confiance. Je propose d'arroser ça. Chérie, tu connais ce proverbe irakien qui dit « Derrière tout homme qui réussit se cache une femme ». Mm-hmm, j'ai lu ça quelque part. Eh bien, je te jure qu'ils n'ont encore rien vu. Comment? Je sens tout à coup en moi un formidable pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul homme qui ait une femme comme toi derrière lui.